No one gave a speech like my dad. With his beautiful baritone voice, avec sa belle voix de baryton, his sense of humor, and his impeccable timing, my dad held an audience in the palm of his hand. Speeches were such a major part of his life that he told us that when it was his turn to go up to what he called that great political rally in the sky, he wanted us to bury him with his podium. He had a unique style, il avait un style unique, which included telling stories that he honed over the years. Ce qui comprend les anecdotes qu'il racontait. Ma préférée était celle d'un ancien premier ministre conservateur qui, à un dîner formel, avait insisté pour avoir un deuxième beurre pour son pain. Monsieur Diefenbaker a dit avec rage, « Excusez-moi, mais vous savez qui je suis? Je suis le premier ministre du Canada et j'aimerais avoir un deuxième beurre. » Mon père a souri en disant la réponse, « Savez-vous qui je suis? Je suis la personne qui remet le beurre. » Mon père raconte cela et d'autres histoires, pas seulement pour faire rire, mais pour souligner le fait que celui qui donne le beurre est aussi important que le premier ministre. Parce que pour mon père, tout le monde était important. Le prophète Isaïe a dit, « Considérez la pierre dont vous avez été coupé. » L'héritage irlandais de mon père était la pierre dont il était taillé. À Baie-Comeau, Québec, sa ville natale, c'était la carrière dont il avait été extrait. À Baie-Comeau, le travail acharné était un mode de vie. Malgré des moyens limités, mes grands-parents avaient décidé qu'il n'y aurait aucune limite à ce que leur fils pouvait accomplir. Mais tout ne fut pas facile. Et sa vie aurait pu emprunter une direction totalement différente. À 16 ans, alors que la situation financière de la famille était particulièrement difficile, mon père a proposé à son père de s'inscrire au programme d'apprentissage de l'usine. Il aurait sans doute eu une bonne vie, mais n'aurait pas accompli son destin. Mon grand-père le savait et déclina son offre. Il a plutôt décidé d'allonger ses journées de travail. Son fils pourrait ainsi aller à l'université. Conscient de ce privilège, mon père s'est fait le devoir d'honorer les sacrifices qui lui ont permis de servir des causes plus grandes que lui-même. Mon grand-père est décédé lorsque mon père n'avait que 25 ans. À partir de ce moment, il s'est occupé de la famille, a pris soin de sa mère, de son frère et de ses sœurs. Alors que sa carrière d'avocat prenait son envol, il rencontra l'amour de sa vie, sa meilleure conseillère et sa partenaire pour ce qui comptait le plus à ses yeux, la famille et la politique. En parfaite harmonie, ils ont conjugué ensemble et avec succès ces deux passions. There was a destiny attached to my father. Il y avait un destin qui était attaché à mon père, même dans sa jeunesse, personne ne pouvait le nier. Même le premier ministre Diefenbaker, au sommet de ses pouvoirs, a écrit une lettre à mon grand-père qui louait le potentiel de son fils et lors de sa première rencontre avec mon père. Quand j'étais petite fille, j'avais le sentiment que mon père était un grand homme. Il semblait connaître tout le monde. Il le connaissait et il voulait être autour de lui. Le premier ministre Clark a été au baptême de Mark.
mon père a fait un travail important comme servir la commission Clich. Et à mes yeux, très jeune à l'époque, ça semblait très important. Mon père a été grand maréchal de la parade de la Saint-Patrick à Montréal. Mon père a ensuite remporté la chefferie du Parti conservateur. Quand on lui a demandé ce que signifiait sa victoire, la première réponse de mon père n'était pas celle que le journaliste pensait entendre. C'est l'anniversaire de Caroline, s'est-il exclamé à la télévision nationale. Il a montré à ce moment-là quelle était la signification pour lui de sa famille. Il est devenu un très grand premier ministre et un grand leader mondial. Mais pour nous, il était plus que cela. Il était un très bon père. En tant que sa seule fille, il m'a toujours fait sentir spécial. C'est celui qui me menait à mon lit et qui était avec moi, qui me bordait quand j'étais petite. Celui qui me laissait pleurer sur son épaule, même quand mes larmes salissaient son veston. Et celui qui m'attendait à table, à notre restaurant à New York quand je travaillais là-bas, avec patience. Il lisait ses journaux jusqu'à ce que j'arrive, toujours avec un verre de champagne pour moi. Chaque jour de ma vie, mon père me disait que j'étais la plus grande petite fille que Dieu avait mise sur terre. Mais je suis chanceuse que pendant près de 50 ans, on m'ait dit quelque chose d'aussi merveilleux à chaque jour. Il m'a donné l'amour, la confiance et la force. Passer du temps avec lui était une joie. Nous parlions pendant des heures. Les nouvelles étaient toujours à la télévision allumées, mais nous parlions surtout de la vie. Tout ce qu'il a fait pour ses enfants, c'est de soutenir nos rêves, nos aspirations et notre bonheur. Mais il ne se rendait pas la tâche toujours facile. Quand Andrew a demandé à mon père ma main en mariage, Andrew a dit, « Monsieur Mulroney, je voudrais vous demander la permission de demander Caroline en mariage. » Mon père a regardé Andrew et lui a demandé, « Lui demander quoi ?» Ma décision d'entrer en politique a été très discutée. Mon père n'était pas en faveur de l'idée au départ parce qu'il savait bien la difficulté d'être dans l'arène. Je me suis appuyé sur lui pour des conseils. Caroline, est-ce qu'il m'a conseillé? Les gens vous demandent plein de choses. Les événements, mais n'oublie jamais les trois choses les plus importantes. Votre circonscription, ils vous ont élu, ils ont mis leur foi en vous et vous devez répondre à... Au fil des ans, son instinct politique n'a rien perdu de son acuité. Il m'a conseillé de ne pas dilapider mon capital politique pour des enjeux mineurs et sans conséquences, mais de le conserver pour les causes et les dossiers qui comptent véritablement. La vie est courte, me répétait-il souvent, mais notre héritage perdure. Ces paroles m'ont été d'un soutien inestimable, particulièrement lorsqu'on m'a confié le dossier des affaires francophones au sein du gouvernement de l'Ontario. Pour répondre aux défis que je rencontrais, mon père m'a encouragée à garder le cap et à mettre en pratique l'une de ses maximes politiques favorites. To peek around the corner of history just a little bit. De lever un coin du rideau de l'histoire. Marchant sur les pas de celui qui a défendu les droits des minorités francophones dès son entrée au Parlement, on m'a confié le devoir de protéger la minorité francophone en Ontario.
My brothers could recount stories just as remarkable as my own. Mes frères pouvaient raconter des histoires aussi remarquables que moi. My dad was immensely proud. Mon père était énormément fier que ses fils aient construit des carrières qu'ils aimaient. Il avait plaisir à regarder Ben à la télévision et il adorait l'entendre à la radio. Il s'émerveillait de voir Mark grimper les échelons. Et Mark lui donnait souvent des conseils un peu plus tard dans sa vie. All three of them have matured into wonderful, loving fathers. Des pères aimants, comme notre père l'a été. Mon père me disait souvent combien il était fier d'eux et les familles qu'ils avaient construites. Il disait que c'était la chose la plus importante dans la vie. Il adorait être le grand-père de 16 enfants. Il aimait jouer avec eux, il était affectueux. Il les gâtait avec beaucoup de bonbons. Il jouait avec eux dans la piscine. Il leur prodiguait les encouragements et l'amour. Mon père était aussi un ami sincère et fidèle. Même si son charme irlandais inné attirait tout le monde vers lui, il demeura toujours fidèle à ses amis. Dans les beaux jours, autant que lorsque la tempête faisait rage. Voilà pourquoi ses amitiés étaient profondes, durables et faisaient partie intégrante de sa vie. Cette loyauté trouvait aussi écho dans le respect profond qu'il a toujours nourri envers le Québec. Je n'étonnerai personne en disant qu'il avait le Canada dans la peau, mais sa conception du fédéralisme canadien était plurielle. Le caractère distinct du Québec était pour lui source d'unité. Et malgré le fait que ses 4 enfants et ses 16 petits-enfants vivent ailleurs, l'idée ne lui est jamais traversée l'esprit de quitter la province qu'il a vue naître. Le Québec, c'était chez lui. No matter the crisis he was facing or wherever he was around the world, there was never a day, not one, when my brothers and I did not speak with our father. Et moi, ne parlions pas à mon père. Sweetie, it's your old daddy calling, he would say. Chérie, c'est ton père qui appelle. Thousands of people have shared stories about des milliers de personnes nous ont parlé des appels téléphoniques qu'ils faisaient. Ils disaient qu'ils étaient touchés, toujours, pas seulement parce qu'ils parlaient à quelqu'un qui a changé le cours de l'histoire, mais par une personne qui était gentille. Et qui étaient généreuses, qui leur offraient souvent du soutien quand ils en avaient besoin. Mon père voyait le monde d'une façon plus grande. C'est son humanité qui le définissait. C'est pourquoi il transcendait la politique et connectait avec les gens d'une façon qui a laissé une marque indélébile sur leur cœur et leur âme. Dans notre tristesse, notre famille est rassurée et très reconnaissante pour le témoignage d'affection que nous avons reçu. Même s'il ne lisait pas les sondages, il aimait les manchettes et celles des dernières semaines lui auraient fait beaucoup plaisir. Il n'a pas construit cette famille ou fait ses réalisations en politique tout seul. Il l'a fait toujours avec ma mère. Il est tombé à la renverse pour sa beauté, mais il adorait sa force. Ta mère, c'est une battante, disait-il. Il respectait son jugement. C'était un partenariat égal. Pendant 51 ans, ils ont fait de la politique. Ils ont réalisé des choses inimaginables dans leur vie publique et privée parce qu'ils faisaient tout ensemble. Lors de sa dernière journée,
Mon père a appelé ma mère de son lit d'hôpital et lui a dit, « Mila, qu'est-ce que tu me réserves aujourd'hui ?» Maman s'est penchée sur son... à son chevet et lui a dit, « Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse pour toi ?» Il a dit, « Rien. » Alors, « Je ne ferai rien », a-t-elle dit. Toujours plein d'espoir, ma mère a mis sa main sur ses joues et lui a dit, « Brian, est-ce que tu reviens à moi ?» Son corps était fatigué, mais son cœur ne voulait pas nous abandonner. Alors, papa a regardé maman et lui a dit dans ses derniers mots, il a dit, nous avons le cœur brisé par cette perte. Nous l'adorions. Tu me manques, papa.